Bonjour YouTube, enfin rebonjour YouTube. Je viens de me rendre compte que j'ai quand même arrêté l'épisode au pire moment, quoi. Vraiment. Voilà, je suis bon, je suis bon. On est en pleine scène de dialogue face aux ténèbres. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas le meilleur moment? Bon, bref. Faisant une promesse. Allez, partir en faisant une Elle veut promesse. revenir avec une Bon, armée. YouTube, Nous nous suivez. débarrasser du tortureur. Nous lui faisions confiance. Mais on l'a plus jamais revu. Plus jamais revu. Le roi Logan n'est pas mort Oui, par bien notre sûr que oui, je te arme. l'ai fait cette promesse. Non. Je te le promets. Je vous le promets. Alors, il est temps de partir en guerre. Promesse faite par moi avec mon skin de noble Talorich. J'avais full soif. Ah! Ouh! Donne-en plus, plus. Même pas 50, quoi. Après, on a combattu pas mal d'âmes. J'ai envie de vous dire, il y a un lien. Excusez-moi, excusez-moi. Il y a de la batterie, putain, foutre de travers. Quasiment la dernière route. Tu as survécu. Mais tu en es sorti grand, ouais. Et tu en es ressorti Putain, on grand. en a de l'allié. Kayleen et le peuple d'Aurora a Alors, accepté. Te qui voilà c'est enfin prêt elle? à affronter ton frère. Il est temps pour Walter et Qui toi de c'est rassembler vos alliés et elle? d'aller assouvir la vengeance de Dans mes Walter. alliés. Parce que les péquenauds, pour moi, ça compte pas. Il n'y a qu'un seul coffre qui est. Sort. Sort l'âme. Sort l'âme. Je dis pas non, je dis pas, je dis pas non. On va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Je voulais prendre l'adresse. L'adresse max. Alors, magie 4. Comme quoi, on a pris l'adresse 4. 180 quand même, un petit peu cher. Sachant qu'on est en magie 2 là. Par contre, on peut prendre les métiers. Repousser une manière magique, bref. Il y a forgeron, fabricant de cartes. Tarte, pardon. Pack d'expression de noyau. On va s'acheter magie 3. Avec les lames, ça pourra servir. Puis on verra plus tard. Magie 3 qui coûte 100, magie 4 qui coûte 80. Ok. Nous reste quand même pas mal de coffres, mais plus beaucoup de coffres qui coûtent méga cher. Enfin, il y aura Force 5, Magie 5 et tout qui coûteront, je pense, méga cher, mais sinon. Il reste plus grand chose. Et puis après, voilà. Force 5, Magie 5 et Machin 5. Et puis après, ce sera la fin de la route. J'ai méga soif, je suis désolé. Je bois, je fume, je bois, je fume, je mange. Ça doit pas être fameux pour vous. Mais comme ça, on est en live, on a pas de best-of, pas de machin. Ça va, tu t'en sors à passer tes mains dessus, lui? Est-ce qu'il va s'en sortir? Je ne sais pas. Les ténèbres sont en lui. Eux s'en sortent. Ouais. Mais il va mieux. Grâce à vous, son état s'améliore, pas vrai? Je ne veux pas vous donner de contradictoires. Nous aurions peut-être tout intérêt à le laisser se reposer. J'avoue. Ne vous inquiétez pas. Il est costaud. Il ira bien. Tous, tous, ça pousse et ça mousse. Comme de par hasard. Bah merci. Putain, en tout cas, cette quête était méga longue. Ouais. C'est ça l'allié, c'est elle. Ouais, j'espère qu'elle a des alliés. Ok, ouais, putain, vraiment, quête principale, quoi. Bah dans le bateau, t'en feras une. Ça sera mieux. Le plus d'argent possédé. Oui, ça a 31 millions quoi. J'attends 400 coeurs, ça devrait être bon. Un petit peu plus quand même. J'ai soif. Bon, là, il n'y a pas de quête secondaire. Je m'en charge. J'emmène un petit groupe de
soldats par là-bas. Puis je fais sauter la caserne à l'ouest. Ça va attirer leur attention et dégager la route principale. En quoi cette idée est meilleure? Est-ce qu'on a plus de chances d'y survivre? T'es qui, toi? Alors maintenant, vous cherchez la petite bête. Pas vraiment le temps d'ergoter, là. Dites-moi simplement ce que mes hommes doivent faire. La décision revient au futur. Et moi, je suis en train de boire un café. On va suivre son plan à elle. D'accord. Je voulais juste l'embêter. T'es chiant. Toujours aussi immature à ce que je vois. Regardez la carte, qu'on passe en revue les détails. Mes navires vous mèneront jusqu'au rivage. On peut s'attendre à des tirs de mortier très puissants. Mais la plupart des soldats de Logan seront occupés avec Paige et ses hommes. Je veux plonger au cœur de l'action. Stylé, on va se battre. Putain, j'ai envie de mettre mon épaule comme ça pour encadrer l'écran. Alors nous, nous passerons par là. Nous restons donc le centre. Moins de risques. Alors, on est d'accord. J'irai. En êtes capable, Walter ? Oh, t'inquiète pas pour moi. Que je serai capable de me lancer dans un bon combat. On va vraiment bien reprendre la ville, là. C'est pas demain la veille que je serai incapable de me lancer dans un bon combat. Pourquoi moi j'ai ma main comme ça? En tout cas, on a des alliés. On a des alliés. Alors, Blighthood, machin... Non, Brighton. Non, Brighton, c'est Dark Souls. Oh, je sais plus. Hein? Sérieux, ça a commencé? Ah putain, la bataille pour l'avion, c'est parti. Regarde ce que j'ai fait comme bondissement. Ok, vraiment, il n'y a même pas eu de scène où on est arrivé, on se prenait des trucs. Ça c'est mauvais. Ça c'est un... Petite reproche au jeu là, j'aurais mis, je sais pas, une animation comme que ça commence. Alors ça, ça va dégager vite. Alors ça, ça part. Ok. Il va se faire finir par le chien. Ah non. Ça dégage. C'est vrai qu'ils ont un mortier qui casse un peu les couilles. Wesh. Attends, il s'en va. Ah ok, il veut taper un avion face à Walter. Ok. Oui, mais faut bien qu'on tue les gens. Ah, coup dur. Coup dur. Putain, il a vraiment une garde personnelle qui est méga opti. Attends, laissez-moi manger mon céleri. Ah bah, si tu faisais sauter pour celui-ci. Ah, ok, ils veulent que vraiment j'aille faire sauter le mortier. On va y aller. On va y aller, me casse pas les couilles. Ah, 2 minutes. Désormais inscrit sur le mur, bah je suppose bien. Alors, sort l'arme. Plus feu. Incroyable. Alors là... Je l'ai vu le coffre là-bas. On ira, je pense que ça fait pas. Oh ouais. Oh les épées, ça m'a manqué. Hein. Ils sont dans tous les jeux. Non, ils sont pas dans le 1. Dans le 1, t'avais Berserk qui était trop pété, mais ils ont arrêté. Par contre, là, pour tuer des soldats d'élite. Ouais, coup chanceux. Je fais du 1v5 là. Petit penta là, on est sur une quadra et le penta qui est juste devant moi, donc là on va claquer l'ulti. Pouf. Me parle pas si t'es pas des deux quoi. Alors ça dégage. Je t'ai explosé. Ah, elle aussi elle a du mortier. Kaylin, KK, elle a du mortier. KK. Ok, c'est le peuple un petit peu à elle. On aurait dû visiter peut-être un petit peu plus la vie. Allez, prenez-vous, méchant. Tu vois, en tout cas, niveau 3. Ça m'avait manqué, toutes ces épées. Par contre, c'est... Par contre, niveau vie... Heureusement que j'ai acheté masse potion avant.
Et putain, on est mort une fois. Ça me fait péter, ça me fait câbler qu'on soit mort. Victime totale, on a passé la cinquantaine. Oui, t'inquiète. Alors toi, tu comptes m'esquiver? Ah, on est dans les vieux quartiers de Bowerstone. Alors ça dégage. Regarde, regarde, écoutez ce bruit. On dirait pas l'autre là, j'ai perdu son nom. Alors là, ce coup. Il doit faire mal quand même avec la pointe que j'ai sur mon marteau. Y'a du spawn illimité ou. Parce que là, à part défoncer des gens. Par contre, c'est moi qui l'ai mis à terre. Allez. Oh bah tu le finis ou je m'en occupe? Ok. Ça marche bien les épées. J'avoue. Oh mais ce fusil, qu'est-ce qui marche? C'est un réel plaisir. Ok. Ok. Oula. Oula. Ok. Alors qui s'y... Ah, c'est le papy. C'est le papy là, c'est voilà, c'est lui avec Bulldur. Ça va, voilà. Un glorieux signe. Qu'est-ce qu'il y a? Mortier. Il y a du mortier. Faut qu'on se tire. Ah, non, j'ai un endroit où creuser. Oui, non, mais après, on est dans les vieux quartiers de Bowerstone, donc. On entend le nain de jardin. Ah ouais. Est-ce que, si on fait pas la quête principale, il serait pas là? Ça serait gênant, quand même. Pff, il gère. Oh, je l'ai double shot avec mon fusil. Qu'est-ce que ça donne envie de jouer fusil? Regardez. Ah, c'était un trip, ça. Pff, on varie un peu les combats, là. On a pas mal combattu. Ça fait de la variation. On peut faire de la très belle variation, quand même, hein. Le 1, on avait un petit peu plus du mal parce qu'il y avait la recharge ou des trucs comme ça, mais là... Ouais, c'est un plaisir. Après, le 1 était facile. Bah, à partir du moment où t'avais 4500 de viande dans ton inventaire... Va-t'en. Va-t'en. Ah! Non, je suis pas dangereux. T'as ces épées de feu. Casse-toi. Oh, je lui ai pété le pied. Pff. Non, mais Si, on va creuser, quoi. Écoutez, on va creuser. Ça va être mieux. Putain, on s'est lancé dans les quêtes principales à une vitesse, là, comme ça. Petit rubis, ça fait plaisir. Ok, ça dégage. Merci. Fiu. Ça, c'est du one shot. Ok, il s'en occupe. Fiu. Ok. Ça a même pété le machin. Nice, j'ai envie de te dire. Ok, ça lui manque un petit coup. Et c'est cool. Ok, c'est bon. Oula, par où c'est qu'on passe? Ah, Paige, on arrive. Laisse-moi pour dire et je suis là. Ouvrez toi. Ok, ça dégage. Fallait choisir.
Après, on peut juste spammer, ça fait plaisir comme ça. Bon, ça fait ses dégâts quand même, hein. Par contre, ouais, faut l'améliorer, quoi. Ok, ça dégage. C'est bien, au moins, il n'y a plus tous ces systèmes de couleurs, tels les dragées, dans Harry Potter 4. Ah, vous avez pas connu. Ça dégage. Ça dégage. Oh, il est tombé sur le match. Il doit rester encore quelques vagues et on arrive au château. On doit être proche du château. Par ici, bah j'y suis. Bah elle est là. Mais c'est mon point de vue. Regardez, je suis là. Ah, est-ce que toi tu peux me donner des sauts de la guilde? Oh, oh j'ai pris le mur. Ok. Ok. Il a quand même une bonne garde royale, hein. Là, c'est plus qu'une armée. Ok. Alors bon, Aurora en allié, sachant qu'on a juste invoqué les ombres, c'était peut-être pas nécessaire. Ok, ça dégage. Qu'est-ce qui reste? On est en 32-5v1 là. What was that? C'est bon. Putain, mais il est chiant lui. Ok. Il était pas si chiant. On arrive devant la grande porte. Nice. C'est fin. C'est fin avec 60 000 caribes. Un petit 60 000. J'ai épuisé tout mon stock. Ah merde. Si seulement on avait un petit vieillard fou qui s'amuserait à faire exploser des choses. Il me tue, ça va. J'avoue pour ça. Comment avez-vous fait pour passer de l'autre côté? Les gitans ont bien laissé très épine. Y a-t-il d'autres ennemis à tuer? Ouais, j'avoue, comment il est passé de l'autre côté en vrai? Un petit peu. Et moi? Bien, Baldur, nous avons du pain sur la planche. Bonne chance. La couronne vous va? Mettons-y un terme pour de bon. Tant que je tiens tout ça. Ah, on y va? C'est parti. Go to the Château of Serfax. C'est un très beau point de vue, ça. Château de Bowerstone, pardon. Ben merde, Serfax, c'est le 2. Ouais, c'est moi. On a des crimes à faire, je sais. Attendez, excusez-moi. Ah bah oui, le mood. Elles sont des moods d'eau. Découvrir une toute nouvelle édition. Ouais, je le prendrai, le pack Understone. J'ai dit que j'essaierai. Faut-il frapper? Non, surprenons-le. Eh bien, nous y voilà enfin. Le vieux fou et l'enfant qui m'ont trahi. Tu es enfin devenu l'homme que j'ai toujours voulu que tu sois. Il est bien plus que ça. Et maintenant, il est prêt à prendre ta place. Il est peut-être temps que l'Albion accueille un nouveau leader. Bah oui. Tu n'as jamais été un leader, juste un autre tyran. Tu n'as jamais pensé que j'avais de bonnes... Bah si, les ombres. Tes explications ne nous intéressent pas. Complète-toi dans l'ignorance si tu veux, mais mon frère mérite la vérité. Réserve-toi pour le procès, Logan. Alors tu pourras prier pour avoir la vie sauve. Moi je sais, c'est pour combattre les ombres. Tout simplement. Il a mis une base de tyrannie pour qu'on soit un petit peu prêt physiquement à combattre les méchants. Je pense. Du coup, je suis roi. Oula, lui il est content. J'ai des promesses à faire tenir. Et là, je passe en mode tyran. En mode FDP de la mort. Gardez vos chapeaux, mais jetez vos chapeaux. Jetez vos chapeaux, mais gardez-les. Avec ce petit saut de la gueule sur la tête, c'est stylé ça. Du coup, Teresa.
a changé un petit peu. Qu'est-ce que. Quoi, qu'est-ce, il est moche, c'est qui lui? Qu'est-ce qui t'est, toi? Il est où mon Jasper? Hobson. Ah, Hobson. Je m'appelle Hobson, votre majesté. Puis-je vous dire à quel point je suis honoré? Bien que je sois avoué concernant l'expérience d'une vaste richesse. Riche. Bien que je dois avouer qu'en ce moment, j'expérimente surtout une vaste richesse. Votre majesté, voilà un parfait exemple. Je vais pas l'aimer, lui. Certainement. Je vais vous laisser faire. Je devrais m'attaquer pour le procès. Oui. Bon, je vais quand même écouter les raisons de Logan. Le procès, bien entendu, c'est la toute première chose que nous devons traiter aujourd'hui. Je fais partie de ces personnes qui ont été dotées de nombreuses qualités. Je suis un flatteur né. J'ai envie de le buter déjà. Gestion du temps. Et je pense vraiment que la clé pour être un roi prospère et tout à fait accompli tient surtout au suivi strict d'un ordre du jour. Ok. Si vous me permettez, voici vos rendez-vous du jour, votre majesté. Juger Logan, sur Randolph, définissez la politique fiscale par l'arrivée aux industries de Bowerstone, étudier la proposition de construire les vieux quartiers à Bowerstone. Accepté. Bon, ouais. On va juger Logan. Il y a des trucs, hein, j'ai envie de lire. C'est la promenade d'un événement historique, votre majesté. Bah oui. C'est parti. C'est quoi ici? Non, mais moi j'ai envie de visiter. Tu me laisses pas visiter? Y'a quoi là? Cette porte est fermée. Qu'est-ce qu'il y a? Hobson. Warder et Hobson. Et Jaeger. Pour Jasper, ça marche. Un petit peu quand même. Allez, s'il vous plaît, suivez mon délire. Ouh. Tu sens le truc là? Hello? J'ai envie de leur faire des doigts. Là, je vais m'asseoir sur mon siège, pire comme ça, là, moi, je suis sur le déco. Tu es... Oh, merde, je suis plus comme ça. Logan, ancien roi d'Albion. Tu dois répondre aux... Putain, je suis en PLS allongé comme ça. Enfin, si. Ceux qui t'ont livré à la justice font parler. Aucun être vivant du royaume n'a été épargné par les conditions. J'ai faim. On va lui faire connaître le même sort. Écoutez, je ne suis pas particulièrement contraint de l'ordre, mais nous avons vu le major Smith se faire exécuter. Un vrai numéro de cirque macabre. Nous valons mieux que ça. Nous ne nous battons pas pour la violence. J'ai vu ce que Logan a fait à cette ville. Des personnes dans la rue qui meurent de faim. Des enfants qui sont obligés de travailler. Mais le tuer maintenant ne réglera pas ses problèmes. Les liens de parenté sont sacrés. Et ce n'est certainement pas à moi de décider de son destin. Néanmoins, sa trahison a condamné à mort le monde des morts. Il nous avait fait la promesse de nous venir en aide, mais il nous a finalement laissé affronter seuls les ténèbres. J'avais une bonne raison de briser ma promesse. Comme j'avais une bonne raison pour les crimes dont tu m'accuses. Le jour de mon retour en Albion, j'ai reçu Teresa. Une voyante aveugle. Teresa, guide de notre mère. Elle m'a dévoilé le futur de notre royaume. Moi, mort, le carreau, bah oui. J'avoue qu'une voyante aveugle, est-ce que ça marche? C'est un peu chelou quand même. J'avoue. J'ai passé de longues années à me préparer pour cette attaque. Laisse-moi combattre à tes côtés. Ah mais maintenant c'est blessé de sous tes ordres. Affrontons ensemble les ténèbres qui approchent. Si c'est vrai. Nous sommes tous en danger. Bah oui, moi je vous l'ai dit qu'on que les ténèbres arrivaient. Quand même, on les a plus ou moins activés. On est gentil, donc on continue gentil, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que je cache la thune depuis le début. Putain, depuis le début que je tourne, je cache la thune. Bon, j'ai 22 millions. Mais fais ce qui te semble le mieux pour le royaume. Allez, c'est parti. La vengeance ne mène à rien et nous ferait perdre du temps. On a besoin de ton aide, Logan. Le roi a pris sa décision. La vie de Logan... C'est vrai que j'aurais bien aimé le voir cramer, hein, parce qu'il a quand même été un bon gros connard là-dessus. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Bah surtout que t'as tué ma meuf. Tu me
Mais ce qui importe maintenant, c'est de défendre nos terres. Et je suis ravi de m'être enfin débarrassé de ce sardo. T'avais l'air quand même d'être bien. Définissez la politique fiscale. Bon. Ah, dernier portail. The last portail. On n'a pas gagné masse. Bon, du coup, j'avoue que on a gagné 19 alors qu'on a battu une moitié d'armée. Alors. Salut Teresa. Et finalement un monarque. Monarque est quand même un peu gératif, hein. Mais ton voyage est loin d'être fini. Comme tu es le roi, tu peux connaître la vérité. L'Albion est sur le point d'être attaqué. Le danger est des plus près. Oula. Ça c'est stylé quand même. Les scènes elles sont stylées, les animations. Par contre ça se voit qu'ils ont mis du budget là-dedans quoi. C'est pour ça qu'ils en ont pas fait une pour tout à l'heure. Je vais échouer. Pourquoi n'avez-vous pas commencé par me dire tout ça? Ça n'avait rien à voir avec Logan, pas vrai? Je t'ai dit tout ce que tu devais savoir sans jamais t'occuper. C'est-à-dire quoi? Avec Logan sur le trône, l'Albion était voué à sa perte, j'en suis certain. Seul un héros de bon droit pouvait garantir la survie. Bah, sûrement, oui. T'as compté? Moi j'ai pas compté. T'inquiète, j'ai de la thune. J'ai de la thune, t'inquiète. À moins que tu veuilles sacrifier ta formule. Oui, t'inquiète. Moi je vais prendre lui hein. Mais tu seras détesté. Tout comme l'a fait ton frère. Bah c'est ce qu'il a voulu faire Frangin. Mais t'inquiète que moi j'ai de la fortune bref. J'ai de la fortune personnelle. Bon. Quand même stylé. Ah oui, je suis en mode roi. 100. Eh ouais, c'est 100. 180 pour ici, ça doit être 100 pour ici. Mais j'ai pas la thunage, parce que même en faisant une quête principale, tu me files pas assez de machin. Les combats donnent pas assez. 100 au début? Wow. Non. C'était The Last Passage. Mais là, on va combattre les nams. Les nams. Les nombres, pardon. Les nams, c'est autre chose. On combatte les nombres. Ou les nords. Les nords, les nams, les nombres. Salut Hobson. Oui. Je ne sais pas trop que dire après de telles nouvelles. Les ténèbres qui arrivent. Le peuple ne va pas comprendre ce que ça signifie. Personne ne pourrait comprendre. Sans l'avoir vécu avant, bah oui, comme ça. Logique. Si on peut pas empêcher l'attaque, il faut qu'on tienne prêt. Ouais, je sais. Putain, qu'est-ce que je suis classe. Mais tu vas devoir collecter une fortune pour payer l'armée dont on a. Qu'est-ce que j'ai de la thune? Hobson te montrera la trésorerie. Et je suis sûr qu'il pourra t'expliquer comment la. T'inquiète. J'ai de la thune. Je vais te laisser t'en charger. Ben et moi allons commencer le recrutement et la formation des soldats. Ouais, je te suis. Oh! Il n'y a pas tant de thunes que ça, 400 000 balles. Oh, il n'y a pas grand chose. J'ai 4 fois 1000 plus que ça. Tiens, je dois avoir 300, beaucoup plus que ça. Je sais pas combien de plus, donc j'essaie de dire un chiffre qui est cohérent.
Imaginez un peu cette pièce sortie en demi-feu. Il faudra rien que moins que cette quantité. Je trouve pas qu'il nous faudra définir le taux d'imposition pour l'année à venir. Non, on va le baisser, on est gentil. Ça fait moins 400 000 balles, quoi. Noble, oui, mais on est pauvre. Il me casse les couilles, Hobson. Pour toujours donner de votre heure. Non, non, mais moi je vais filer mon or, je vais tout filer, bah oui, on va sauver des gens. C'est un carnet qui permet de placer des dépôts et des retraits. Pfff, 23 millions. Par la river aux industries de Bowerstone. Attendez. Personnel. Trésorerie. Transféré depuis trésorerie. Personne ne s'est collecté des fonds comme River. J'ai veillé à ce que votre apparition parmi la population soit rendue publique. Personnel. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Par contre, ça va être long. C'est tout. Transférer vers trésorerie. Bah oui, on va filer, je sais pas. On file 10 millions. Ça va être un peu long quand même. Par contre, c'est méga long à charger. Oh. Ok, c'est par là. Ok, c'est là. Non? Ah ok, faut faire les deux en même temps. Peut-être le troisième. Ok. 300. C'est rapide. Bon, écoutez, c'est quand même. Bien qu'elle soit méga courte, hein, quand on s'en rend compte sur le papier, on a l'impression qu'elle est méga courte. Vous voyez, on a passé le portail vachement rapidement et tout. Elle est quand même hyper intéressante cette campagne. De base, on a l'impression que c'est du coup juste soulever un tyran. Et on apprend quasiment la fin du jeu. C'est spécial d'avoir mis quasiment la fin du jeu. Les ombres, et comme quoi on va aller combattre, et que maintenant on est roi, on doit tenir et tout. On pense, personnellement, moi, la première fois que j'ai joué, j'ai fait, bah, maintenant qu'on est roi, voilà, c'est fin du jeu, je vais aller me promener dans les rues, tuer 2-3 pecnos, et puis voilà. Et non, t'as vraiment tout un truc, tout un programme. Et c'est ça qui est méga intéressant là-dessus. On passe un bon moment là-dessus, en tout cas. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Je pense qu'il nous reste en gros deux grosses quêtes principales, je pense que ça va donner surtout. Et puis on verra. On est chaud, on est prêt. On a des promesses à tenir, on a de la thune à mettre surtout. J'ai dit 10 millions, mais s'il y a besoin de plus, moi je suis là. Ah non, on doit tout donner, c'est vrai. On est obligé. Ça va être un peu long. Écoutez, on dit bisous YouTube, je fais ça hors caméra, on se retrouve dans 10 minutes YouTube. On fait ça? Allez, je vous fais des bisous YouTube.